Et toi, tu viens de Berlin, non? Je viens de Paris, ouais. Mais j'ai déménagé à Berlin il y a 4 ans. 4 ans, ouais. Et voilà, ça fait 4 ans que j'habite là-bas, ça se passe bien. Et qu'est-ce que ça a changé de fondamental, on dira, pour toi d'être là-bas? Écoute, j'étais bien à Paris, j'avais juste envie d'une nouvelle aventure en fait. Et c'est vrai que Berlin, pour la musique électronique, c'est un peu l'endroit où ça se passe en ce moment. Enfin, en tout cas, il y a 4 ans. Que serait-ce que pour les magasins de disques, pour les rencontres. Il y a énormément d'artistes qui sont là-bas, en tout cas des artistes que j'aime. Donc c'était une manière aussi de les rencontrer. Et puis j'avais simplement envie d'avoir envie de changer un peu de vie. Donc voilà, je m'y plais bien. C'est toujours un plaisir de revenir à Paris, bien sûr. Mais oui, je suis bien à Berlin. Ouais. Et tu rencontres plus de gens donc là-bas au niveau artiste? Bah oui et non, parce qu'au final, c'était un peu le but d'aller vivre là-bas, mais au final je voyage énormément, donc je passe pas beaucoup de temps à Berlin. Mais c'est vrai que quand je sors, en tout cas pour boire un verre, il y a toujours quelqu'un, un DJ que je connaissais pas ou dont j'ai acheté le disque la semaine d'avant, qui se retrouve là, on se retrouve au bar à discuter de manière un peu imprévisible. Non, c'est intéressant parce qu'il y a une bonne énergie et c'est un mélange de plein de cultures. La fête n'a pas d'heure, on sait toujours à quelle heure on sort, mais on sait jamais à quelle heure on rentre. Et c'est cool, c'est cool. Une ou deux grandes rencontres au niveau artiste là-bas? Une ou deux? Kerry Chandler, ça te parle? Ouais, à Berlin, c'est... À Berlin, ouais. À Berlin, enfin à Ibiza d'abord et après à Berlin. Et tu voyages beaucoup aussi. Bon, t'as entendu dire bien sûr qu'à Paris ça bouge depuis 2-3 ans. Ça bouge énormément. Ouais. Et est-ce que justement ça en parle dans les autres pays, à Berlin entre autres, mais, On n'a jamais autant parlé à Paris que en tout cas à l'étranger qu'en ce moment. En tout cas, disons que quand je suis parti de Paris, tout le monde disait « Ah, il y en a marre, il faut aller ailleurs, voir ce qui se passe. » Bah là, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse en fait. Que tous les gens qui sont partis de Paris, ils ont envie de revenir. Ou alors ceux qui connaissent pas, ils sont là, il paraît que Paris c'est mortel, qu'il y a des teufs de partout. Ouais, non, en ce moment Paris c'est... C'est plus juste un nouvel endroit où il se passe des choses, ça devient vraiment un lieu de référence en fait. Ce qu'il y avait avant, il y a longtemps, et là je trouve que c'est vraiment redevenu. Mais ce qui est intéressant, c'est plus justement dans les clubs que ça se passe en fait. Il y a plein d'autres fêtes un peu partout. Je sais pas si vous avez entendu parler de Concrète. Voilà, c'est un peu la fête qui cartonne en ce moment. Et il y a ça, puis il y a plein de fêtes un peu, surtout l'été, il y a des fêtes d'après-midi, c'est plus axé que dans les clubs en fait, donc tout le monde s'y retrouve et il y a énormément de choix, donc c'est cool.